Pokémon. Avec moi. Je veux devenir le meilleur dresseur, comme personne avant moi. Les capturer ne fait pas peur, les dresser c'est mon choix. J'en ai rêvé toute ma vie, le moment est arrivé. De prouver qui je suis, je vais le surpasser. Né pour être vainqueur, né pour être un grand champion. Titours contre Cola Boomerang. Ah, j'ai hâte en tout cas d'essayer ce jeu. Nos héros, toujours chez eux, à l'île des héros, on changera pas. Ils sont en train de voir avec Titours comment ils vont faire dans ce cas pour le combat face à Mickey. Titours, on va se battre contre quelqu'un d'encore plus fort pour pouvoir entraîner ton niveau d'expérience encore plus élevé. Ce sera vraiment la bonne occasion pour que tu puisses au moins apprendre de nouvelles capacités encore plus vite. Mais attention, ce serait peut-être au moins très important, au moins que tu meurs pas trop vite. Oui, j'ai trop peur, je vais pas affronter des pénis. Titours, c'est quoi maintenant ce nouveau langage que t'es en train d'apprendre là? C'est encore plus horrible que tu fais d'habitude. Oui. Pour la paix, attaque, pique. Alors, t'es prêt, Franklin? Ouais, mais j'essaye de télécharger en ce moment un nouveau jeu. Il m'intéresse trop bien. Mais je pensais que tu l'avais sur ton téléphone. Oui, je l'ai sur téléphone, c'est vrai, c'est sympa. Mais bon, après, la batterie, le problème, c'est qu'elle s'use très rapidement. Alors, l'avoir sur ordinateur, j'aimerais bien voir s'il peut être capable de gérer tout ça. Bon, écoute, fais ce que tu veux, mais je pense qu'on devrait quand même passer un entraînement pour tes tours. On devrait lui augmenter ses capacités de façon à qu'elles soient encore beaucoup plus accrues. Dans ce cas, il faudrait qu'on ne puisse affronter en plus Mickey. Oh, pas bête. Par contre, il devient encore plus en plus grossier. Oh, non. Oh, c'est pas possible. Malheureusement, on peut rien y faire. Pete, couille, jette ta mère la pute. C'est pas possible, et là, c'est encore pire. Lance-flamme. Franklin, n'essaie pas quand même d'affaiblir quand même petit ours. Un peu de super potion. J'espère que cette fois-ci, on est prêt. Oh, t'inquiète pas, on va le faire en 2-2. Oui. Il est temps cette fois-ci, Cola Boomerang, que je te montre de quoi tu es capable. Tu vas affronter ce petit ours. Ouais, je vais m'en occuper. On va te regarder. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Oh, Franklin, Simba et petite merde. Je suis pas une petite merde. Non mais Mickey, qu'est-ce que tu es en train de foutre? Et ce Cola Boomerang, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on le reconnaît. Ouais, attends une minute, ce serait pas... Oh non, on avait rencontré ce Cola Boomerang en plus. Comment ça se fait? C'est le nôtre. C'est normal après tout. Notre petite recrue va dans ce cas vous faire un petit quelque chose. Dans ce cas, je voudrais qu'on puisse affronter notre Cola Boomerang contre votre petit ours. On va bien voir lequel des deux est le meilleur. Eh ben ça, tu vas bien comprendre parce que notre petit ours est bien entraîné. Ouais, alors tu devrais pas le sous-estimer. Cola Boomerang, occupe-toi de lui. Ça marche. Je vais te latter les couilles. D'accord. C'est normal qu'il ait un langage aussi débile. Mais ils en sont même pas bien occupés. Ils ont même lui appris des gros mots. Oh, votre éducation est de plus en plus nulle. Allez, Cola Boomerang, charge en... Tu peux t'en charger maintenant! Tout de suite. Un combat lancé par un Cola Boomerang. Titours, vas-y! Ouais, tu peux le faire! Écrase-face! Je dois reconnaître qu'il est plutôt puissant. Mais est-ce qu'il va faire face à ceci? Attaque! Boomerang Tornade.
C'est super efficace. Qu'est-ce que c'est cette attaque? J'ai jamais vu ça. L'attaque boomerang tornade permet d'envoyer un coup de boomerang et de faire en sorte à ce que ça revient vers lui. Et en plus, c'est de type vol. Attends une minute, tu vas pas me dire que quand la boomerang... Une minute, il me semblait que quand la boomerang c'est type insecte. Il est de type insecte, mais il peut avoir une attaque de type vol. Ça par contre, c'est horrible. Si par contre Titour subit des attaques super efficaces, il va perdre à coup sûr. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Non, faut pas intervenir. Bien lancé. Foilienne. Ce n'est pas très efficace. C'est vraiment nul. Vous ne voyez pas que vous êtes en désavantage. Vous allez perdre. Oh non, oh non, oh non. Tayad, chiaar. C'est super efficace. Titours, non. Titours, rappelle-toi ce que je t'ai appris. Il faut que tu apprennes à esquiver. Utilise ta vitesse. Oui, je dois utiliser la vitesse. Mais je choisis ma vitesse comme un moyen de défense. C'est ça qu'il faut faire. Mais d'abord, écrase-moi. Aïe. Coup critique. Ah, il est vraiment fortiche. Boomerang tornade. Esquive. Oui. Oui. De justesse. Oh non. Il a esquivé mon attaque. Écrase-moi. Oh. Retour au combat. Tayad. Super efficace. Si je l'arrêtise encore une fois, mon attaque va devenir encore plus forte. Écrase-moi. Oh. Tayad. Ça fait encore plus de dégâts. C'est super efficace. Te laisse pas faire petit tour. Si par contre tu subis encore une attaque Tayad, ça va franchement mal aller pour toi. Écrase-moi. Oh. Je dois reconnaître qu'il s'entraîne dur. Il est fort. Alors, Titours, dis-moi, est-ce que tu as bien aimé Cat Mario? Non, pas ce jeu, pas ce jeu. Oh non, Mickey, là par contre, c'est dégueulasse. Vas-y, finis-en avec lui. D'accord, je prépare bien mon attaque Tayad. Et j'en profite pour bien charger à fond. Comme ça, je vais l'ajouter au centuple de ma puissance. Oh non. Titour, faut vraiment que tu réagisses. Là, c'est vraiment pas le moment. Allez, quoi, fais quelque chose. Tu peux pas abandonner comme ça. Il cherche sa puissance, regarde-le. Il va te laminer. Faut pas que tu penses non plus à ce jeu. Pense plutôt à ta victoire. Imagine le nombre d'expériences que tu peux gagner. Je dois pas me laisser faire par un cours de jeu. Ouais bon, c'était peut-être pas le bon vocabulaire, mais on va dire que ça va. Moi aussi je cherche écrase-passe pleine puissance. Tu vas souffrir directement, je suis presque arrivé à la puissance finale. C'est parti, écrase-face. Tayad, yeah. Qu'est-ce que... Ils sont rentrés tous les deux en même temps. Je veux pas que cette petite chose puisse gagner. C'est pas possible. On dirait bien que ce sera lui qui va perdre. Oui. Titours, il a réussi à se relever. Waouh. Tu penses que tu peux résister à mon attaque Tayad? C'est ridicule. D'autant plus que j'ai chargé à pleine puissance. J'ai aussi... Vous avez perdu! Vous avez perdu! Oh, ta gueule! Oui, ta gueule! Oh! Hey, les gros mots, arrête ça! Pite! Arrête ça! Ta mère, c'est une pute!
Pour la peine, écrase-moi. Tu as encore de l'énergie pour utiliser ça. Down. Koala Boomerang n'est plus capable de se battre. Titours remporte le combat. Pardonnez-moi. Ah, reviens. Je peux pas croire que tu puisses te faire battre par un type plante. Tu es de type insecte. Et je me suis fait écrabouiller comme un véritable misérable insecte. Ça, tu peux le dire. Je vous garantis que cette prochaine manche, vous ne la gagnerez pas. Félicitations, Titours. Ouais, tu t'es franchement bien battu. Ça, j'ai jamais vu un combat aussi épique. Titours vient de gagner quelques niveaux. Oui. Est-ce qu'il a appris une nouvelle compétence? Trancherbe. Il a appris Trancherbe, c'est bien. Oui. Trancherbe est une attaque de type plante qui permet non seulement d'attaquer tout le monde, mais en plus, j'ai entendu dire que le taux de coup critique était élevé. Oui. Trop bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Je ne sais pas. Voyons voir un peu le jeu. Attends, il est même pas fini? Il est même pas fini? Oh, voyons voir plutôt qu'est-ce qu'il y a comme jeu. Bon, voyons voir. Ouais, ce jeu-là, allez. C'est un beau jeu. Titours, tu veux essayer? Qu'est-ce que c'est? Regarde. J'ai eu ça en plus gratuitement. J'ai toujours aimé la série des WarioWare. C'est cool. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a égaré ses... quelque chose. Hein? Ça dit quoi? Bah... il a égaré deux consoles de jeu et après il y a un autre jeu. Et ce que Wario veut, bah en fait c'est tout. Ah. En bref, il veut tout, voilà. C'est pas bien, mais bon. Ah. Et ça c'est quoi? C'est un stylet, tu vas devoir jouer avec. Oui, c'est exactement ce qu'il a trouvé. Wario a trouvé un stylet, on appelle ça. Ou un bâtonnet, si tu veux. Oh! T'as compris maintenant, c'est plus ou moins le principe que quand tu dois utiliser ce stylet. Il t'a montré l'exemple. Oh! Allez, vas-y, essaye. Oh, ça a marché? Tu vois ce bouton qui est là? Non, là, le bleu. Ah. Tu peux jouer à ce que tu veux. Peut-être ça? Ouais, c'est bien, c'est du rétro. Vas-y, joue, Titours, ça va t'occuper un peu. Sois prudent avec la console quand même. Alors arrête de t'exciter comme ça. Regarde, il y a un petit bouton jaune sur la droite. Hein? Attends, ça? J'ai pas compris. Oh, c'est pas grave, faut être un peu plus actif. Branche, c'est ça? Ouais, t'as bien compris un peu comment... comment il faut lire, hein? Ça va être facile. Oui, j'ai gagné. Bravo, continue comme ça. Peindre. Tu t'améliores, tu t'ébrouilles bien.
soit, au pire, prends quelque chose de plus simple. Le bouton rouge. Sélectionne le personnage qui est tout en bas. Lui ? Oui. Tu vas pouvoir apprendre un peu à faire tes premières touches à ce jeu. Surtout avec lui. C'est nul. Concentre-toi, petit ours. Concentre-toi, petit ours, je t'ai dit. Je vais y arriver. Plus vite! C'était dur, j'avais pas compris, mais j'ai réussi. Trop identique. Mais je l'avais, j'étais là. B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire abeille en anglais. Tu dois écraser toutes les mouches. Par contre, te casse pas tout. Fais en sorte que l'écran soit intact. Est-ce qu'il est vraiment cassé la console? Mais non. Tu as réussi, des ours. Pourquoi personne n'a inventé le dentifrice à l'ail? Dentifrice à l'ail? Mais c'est dégueulasse. Petit ours, concentre-toi, c'est plus dur. Mais tu joues mal aussi. C'était trop dur. Tu n'arrives pas avec le niveau 2. Ouais, avec le niveau 1, t'as su bien réussir. Tu devrais être content de toi. Ouais, je suis très content. Et maintenant? Tu devrais essayer un peu les jouets. Jouets. Oh, c'est Coco le perroquet, il répète absolument tout ce que tu dis. Bonjour. Bonjour, je suis Titours. Il a répété tout ce que je lui ai dit. Ouais, bon bah, il peut dire plein de choses aussi. Ouais, bon bah c'est le but, tu sais. Attends, c'est de retourner et ensuite recommence. Parce que sinon le perroquet va dire tout et n'importe quoi et on va rien comprendre. Oh, j'ai une idée ce que je vais lui dire. Surveille surtout ton langage, petit ours. Espèce de connard. Petit ours, non, tu vas pas recommencer ça. Attends, je vais essayer encore un truc. J'espère que c'est pas encore des gros mots, hein. Attends, mais arrête de parler. Hé, t'es qu'un enfoiré de fils de pute qui nique son oncle. Quoi? Petit ours, c'est quoi ces conneries? Quoi? Il a retenu tout ce que j'ai dit seulement. Petit ours. Cette fois-ci, ça commence à genre bien faire, petit ours. Pour la peine, t'es puni, tu vas au lit. Point de feu. Pour la paix, vous s'y rangez la console. T'es privé de jouer. Et nos héros, on peut terminer avec le combat plus un petit jeu pour Titours. Ce fut court, mais ce fut efficace. Il est vraiment irrécupérable, ce Titours. Il est franchement irrécupérable.
Et qu'en est-il pour ton jeu? Oh bah tiens, c'est prêt. Oh j'ai hâte, oh j'ai hâte. Oh non bah, évidemment faut que ça charge. Ah. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire nos héros maintenant qu'ils ont fini de battre Koala Boomerang face à Titours, c'est que Titours a pu apprendre une nouvelle capacité? Peut-être vont-ils rebattre Mickey pour essayer peut-être de se venger ou alors pour pouvoir s'entraîner? Le mystère pour le prochain épisode des aventures des Pokémon peluche. Eh, y a une des instructions à lire. Oh. Oh, c'est si bon à écouter. Écoutez juste cette musique. Les voix là. Oh, faudra se connecter. Bon, c'est pas grave, heureusement. J'ai une idée de quel compte je vais faire. Tu peux essayer de faire en sorte de lier ton compte de ton téléphone que t'as joué à celui de l'ordinateur. Oui, je vais faire ça. Enfin, si c'est possible. À suivre pour le prochain épisode. Avec moi. Je veux devenir le meilleur dresseur comme personne avant moi. Les capturer ne fait pas peur. Les dresser, c'est mon choix. J'en ai rêvé toute ma vie. Le moment